Chers frères et sœurs, nous sommes au 8e prêche. Parmi les prêches que nous avons réservés pour méditer sur Sourate Al-Hujurat, cette sourate qui nous montre la constitution en islam de ce que doit être le comportement et la moralité islamique. Nous sommes arrivés au verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit, s'adresse aux croyants en disant « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui. Évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas de les uns les autres, ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. » Donc vous voyez encore une fois, Allah Azza wa Jal a répété l'appel aux croyants. « Ya ayyuha alladhina amanu » Et comme on a dit, il répète l'appel parce que l'objet du discours qui va suivre est nouveau. Et Allah Azza wa Jal met la lumière sur certains comportements, certaines attitudes qui provoquent la discorde entre les musulmans. Déjà, il nous a parlé des sobriquets, il nous a parlé de la moquerie, mais là il parle de certaines choses qui sont encore plus graves et qui sont très répandues entre les musulmans. Il en a cité trois. Il a cité bien entendu su'adhan, le fait de conjecturer. Il a cité at-tajassus, l'espionnage, et il a cité al-riba, la médisance. Et nous allons réserver ce prêche pour parler de su'adhan parce qu'il s'agit d'un comportement néfaste pour la société et qui se généralise parmi les membres des musulmans. Allah Azza wa Jal nous ordonne d'éviter de conjecturer. Et pourquoi il nous demande ça? Il répond lui-même en disant « Inna ba'da dhanni ithm » Une partie de la conjecture est péché. Une partie de la conjecture est péché. Et ici, il n'a pas parlé de « dhanb » qui veut dire le péché, il a parlé de l'ithm. Et l'ithm en arabe, il vient du verbe wathama. Et wathama, ça veut dire qu'il a provoqué une cassure. Et donc le péché, c'est tout, l'ithm, c'est tout péché qui provoque une cassure dans la piété du musulman. Un péché qui mérite, bien entendu, une punition de la part d'Allah Azza wa Jal. Et donc Allah Azza wa Jal considère qu'une grande partie de la conjecture est ithm, est un péché qui mérite punition. Qu'est-ce que avan? Avan, on peut parler de la conjecture, c'est le fait d'avoir un soupçon qui n'est pas validé par des arguments fiables et tangibles. Dès lors qu'on a un soupçon, on n'est pas sûr, et donc on commence à se baser dessus pour forger une opinion négative à l'endroit d'autrui. Allah Azza wa Jal nous apprend ici qu'une grande partie de la conjecture est péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une petite partie qui est acceptable, mais la grande partie de la conjecture, des soupçons, est considérée comme un péché en islam. Il existe deux catégories de dhan. Il y a le soupçon, la bonne opinion, et il y a la mauvaise opinion. La bonne opinion, c'est toute opinion qui préserve ta religiosité, et la religiosité de celui envers qui tu as forgé cette opinion. Et la mauvaise opinion, c'est celle qui fracture ta religiosité. C'est celle qui affaiblit, qui écorche ta religiosité, ou celle envers qui tu as forgé une opinion négative. Commençons par les bonnes opinions. Parce que là, je ne vais pas utiliser que le terme soupçon, qui a bien entendu souvent une connotation négative. On peut parler, lorsque c'est une connotation plutôt positive, on peut parler d'opinion.
lorsque c'est plutôt négatif, on va parler de soupçon. L'opinion qu'on peut avoir envers Allah tabaraka wa ta'ala doit être toujours bonne. Autrement dit, on ne peut avoir aucun doute concernant Allah azza wa jal, concernant sa justice, concernant sa miséricorde, concernant sa sagesse. Donc sur ce point-là, il ne faut avoir qu'une bonne pensée, exclusivement une bonne pensée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par le Bukhari sur Abu Huraira, nous rapporte les paroles d'Allah azza wa jal. On parle d'un hadith qudsi. Et Allah azza wa jal dans ce hadith nous dit: je suis conforme à mon serviteur selon ce qu'il pense de moi, selon l'opinion qu'il forge de moi. Et je suis avec lui là où il m'évoque. S'il m'évoque en lui-même, je l'évoque ou bien je le mentionne en moi-même. Et s'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. Et s'il se rapproche de moi d'un nampon, je me rapproche de lui d'une coudée. Et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui en m'empressant. Donc là, Allah Azza wa Jal a cité plusieurs moyens qui prouvent que le croyant croit en Allah Azza wa Jal et a une bonne pensée à l'endroit d'Allah Azza wa Jal. D'abord, il mentionne tout le temps Allah Azza wa Jal. Et en contrepartie de quoi Allah Azza wa Jal le mentionne en lui-même et dans des assises beaucoup plus méritantes que l'assise dans laquelle le croyant a mentionné Allah Azza wa Jal. En l'occurrence, Allah Azza wa Jal le mentionne dans les assises des anges. Lorsqu'il se rapproche d'Allah Azza wa Jal d'un nampon, donc ça veut dire pourquoi il s'est rapproché de Dieu. C'est parce qu'il pense du bien d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'il s'est rapproché d'un nampon. Allah Azza wa Jal se rapproche de lui d'une coudée. Si le serviteur se rapproche d'une coudée, Allah Azza wa Jal se rapproche d'une brasse. Si le croyant se rapproche d'Allah Azza wa Jal en marchant, Allah Azza wa Jal s'empresse vers lui. Quelque part, Allah Azza wa Jal dit: je vais réagir avec vous selon la manière avec laquelle vous, selon ce que vous pensez de moi et selon l'opinion que vous avez forgée à mon endroit. Et donc, bien entendu, ici, on ne parle que de dhann al-hasan, de la bonne pensée. Il en est de même concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un musulman ne peut penser que du bien du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tous les prophètes. Parce qu'Allah Azza wa Jal les a élus, Allah Azza wa Jal les a choisis parmi tous les êtres humains. Donc forcément, ils ne peuvent avoir qu'un bon comportement, qu'une bonne attitude, qu'une foi inébranlable. Et toute personne qui peut douter du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son comportement, de son attitude, de sa parole, c'est quelqu'un qui remet en cause le choix d'Allah Azza wa Jal. C'est quelqu'un qui doute du choix d'Allah Azza wa Jal. Et là, bien entendu, il bascule vers quelque chose de gravissime. Concernant maintenant la mauvaise conjecture, ça peut se faire à l'endroit d'Allah Azza wa Jal. Lorsque quelqu'un commence à penser qu'Allah Azza wa Jal serait injuste, lorsqu'il dit: pourquoi il y a tant de pauvres dans le monde, il y a tant de victimes dans le monde, je ne vois pas la justice divine, où est-ce qu'elle réside? Là, c'est une manière d'avoir, bien entendu, des mauvaises opinions envers Allah Azza wa Jal. Et ce genre d'opinion, elle sort, il risque de faire sortir le croyant du cercle de l'islam. Et pareil, pour celui qui doute de la miséricorde de Dieu, ou celui qui désespère lorsqu'il est dans une épreuve, ça veut dire qu'il ne place pas sa confiance en Allah Azza wa Jal, et il ne maintient pas son espérance envers Allah Azza wa Jal. Donc là, bien entendu, il bascule vers le mauvais dhan, la mauvaise pensée. Et Allah Azza wa Jal nous met en garde de suivre certaines personnes qui nous poussent vers la conjecture. Et à ce propos, il a dit: et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal nous dit: ijtanibu kathiran min al-ithm, min al-dhan. Ijtanibu kathiran min al-dhan. Étymologiquement parlant, al-ijtinab, ça c'est un verbe qui montre qu'il y a une réaction par rapport à quelque chose. Al-ijtinab vient du verbe jannaba ou ajnaba.
Et jannaba, ça veut dire il l'a écarté, il l'a mis de l'autre côté. Al-janib, ça veut dire le côté. Jannaba, ça veut dire tu as mis la personne de l'autre côté de toi. Tu l'as écarté, tu l'as éloigné pour qu'il soit de l'autre côté. Et à ce propos, Allah Azza wa Jal, en parlant de Ibrahim alayhi salam, ce dernier a dit Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Il a invoqué Allah Azza wa Jal en lui disant Wajnubni, c'est-à-dire évite-moi ou bien écarte-moi ainsi que mes enfants d'adorer les idoles. Donc mets-moi à une grande distance des idoles. Et c'est comme ça qu'on comprend le verset dans lequel Allah Azza wa Jal a interdit entre autres la consommation du vin. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit « Ô vous qui avez cru, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. » Certains ils prétendent, ils disent « Il n'y a pas dans le Coran quelque chose qui interdit la consommation du vin. » Et qu'est-ce que vous voulez d'autre et de plus que ce verset-là, qui est très explicite? C'est seulement un ignorant, celui qui fait semblant d'ignorer, qui ne veut pas accepter ce verset. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « J'tanibou », automatiquement ça veut dire « C'est interdit de vous rapprocher ». Vous devez vous en éloigner. Dès qu'il y a le khamr, le vin, vous vous éloignez. Dès qu'il y a le jeu de hasard, vous vous éloignez, même pas la proximité. Ou être dans le lieu où on va jouer ces jeux de hasard. Vous vous éloignez à 10 kilomètres. Vous vous mettez de l'autre côté. Et lorsqu'on parle de l'ijtinab dans le Coran, c'est l'interdiction forte. C'est l'interdiction forte. C'est le plus haut degré de l'interdiction. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla l'a réservé à des choses qui sont gravissimes pour la religiosité des musulmans. Ibn Abbas radiallahu anhu m'a dit Allah Azza wa Jal a interdit aux croyants concernant son frère trois choses, ou bien quatre choses. Allah Azza wa Jal a interdit aux croyants envers son frère quatre choses. De toucher à sa vie, de toucher à ses biens matériels, de le voler, de tricher devant lui, d'attenter à sa vie, de toucher ses biens matériels, de toucher son honneur, de remettre en cause son honneur, d'écorcher son honneur, et d'avoir une mauvaise conjecture à son endroit. Ça veut dire avoir des soupçons à son endroit alors qu'il n'a aucune preuve tangible qui est sous-jacente à cette pensée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Muslim, a dit « Méfiez-vous des soupçons, de van, méfiez-vous des soupçons, car le soupçon est la plus menteuse des paroles. Ne tentez pas de déceler les défauts des autres. La tahassasu. Ou tahassus, ça déjà est mille hassa. Et ni la tabhat an ma'loumatin mukhtabi'a bihawassik. Ka anta tajassasa bi'aynaik. Ou anta tajassasa bi'sam'ik. Ou hada wa tahassus. Donc c'est le fait d'aller chercher les maladresses, d'aller chercher les défauts de l'autre, soit en le guettant avec l'œil, ou bien en essayant d'écouter ce qu'il dit. Ou ce qui se passe chez lui. N'espionnez pas. Et la différence entre tahassus et tajassus, certains savants ont dit qu'il s'agit de la même chose. D'autres ont dit non, il y a une nuance entre les deux. Tahassus, c'est quelque chose que tu fais toi-même. Tajassus, c'est que tu peux demander à quelqu'un d'espionner pour toi. Donc tu ne le fais pas d'une manière directe. Et tajassus, tu utilises d'autres moyens que tes sens pour essayer de déceler ce qui est caché chez l'autre. Alors que tahassus, c'est que tu utilises les moyens de sens, la vue ou bien l'écoute, pour déceler ce que l'autre cache. Donc ne tentez pas de déceler les défauts des autres, ne vous espionnez pas, ne rivalisez pas entre vous, ne vous enviez pas les uns les autres, et ne nourrissez pas de haine entre vous, et ne vous tournez pas le dos. Soyez des serviteurs d'Allah et des frères comme Allah vous l'a ordonné. Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas, il ne l'abandonne pas et ne le méprise pas. C'est là que réside la crainte d'Allah. Ça veut dire, inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a la crainte révérentielle. Et cette crainte, elle est où? C'est pas dans tes apparences, elle est dans le cœur. Et qui sait ce qui se cache dans le cœur? Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui le sait. Tu peux penser du bien de quelqu'un alors qu'il n'a pas de piété dans son cœur.
Et tu peux penser du mal de quelqu'un alors qu'il est rempli de piété dans son cœur. Et seul Allah Azza wa Jal décèle ce que cachent les cœurs et ce que cachent les poitrines. Et regardez dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié le soupçon de la plus menteuse des paroles. La plus menteuse des paroles. Parce que le soupçon, c'est une sorte de parole. Sauf que lorsque tu mens à quelqu'un, tu mens avec ta langue. Et lorsque tu soupçonnes quelqu'un, c'est que tu es en train de parler à toi-même. Tu es en train de parler. Et tu es en train de mentir sur lui à toi-même. Et c'est pour cela que l'imam al-Ghazali rahimahullah a dit, le soupçon, c'est la médisance du cœur. Il y a la médisance de la langue, lorsque tu parles de mal de quelqu'un aux autres. Et le soupçon, c'est la médisance du cœur. Tu parles du mal de quelqu'un dans ton cœur. Et ça aussi est interdit. L'imam al-Mawardi, rahimahullah, il dit, le soupçon, c'est le fait de ne pas placer confiance en quelqu'un qui la mérite. De ne pas placer confiance en quelqu'un qui mérite cette confiance. De par l'apparence, il mérite confiance. C'est un croyant, il est pratiquant, je ne vois que du bien de lui, donc normalement, automatiquement, je ne dois penser que du bien de lui. Et pas comme disent certains. Certains, ils disent non, tout le monde est égaré, jusqu'à preuve du contraire. Tout le monde est associateur et polythéiste, jusqu'à preuve du contraire. Tout le monde est mécréant, jusqu'à preuve du contraire. Et tu considères que tous ceux qui t'entourent, tous tes frères, qu'ils prient, qu'ils jeûnent et tout ça, ce sont des mauvais, jusqu'à ce que je prouve le contraire. Et malheureusement, il y a des sectes qui poussent vers ce sens-là, qui sont apparues dans l'histoire de l'islam et qui continuent de réapparaître du jour après jour. Et ils arrivent justement à égarer beaucoup de notre jeunesse et beaucoup de néophytes qui connaissent rien absolument à l'islam, qui viennent de découvrir l'islam, et on commence à les mettre en garde contre les sommités de la communauté musulmane, contre les gens de confiance de la communauté musulmane, contre les pieux de la communauté musulmane, et on leur dit, vous ne devez placer confiance qu'en nous. Donc nous sommes vos gourous, nous sommes vos représentants, réfléchissez avec notre cerveau. Réfléchissez avec notre cerveau. Et c'est comme ça que beaucoup tombent malheureusement dans le piège et qui commencent justement à penser du mal de tout le monde, à soupçonner tout le monde, même sur le degré de la foi, sur le degré de la piété. Et là, bien entendu, on tombe dans un champ qui est très grave. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui dit à son frère, ô mécréant, c'est que l'un des deux l'est réellement. Ça veut dire soit il a réellement raison, soit c'est lui-même cette fois-ci qui tombe dans la mécréance. Et l'imam al-Haythami, rahimahullah, dit, سُوءُ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ الَّذِي ظَاهِرُهُ الْعَدَالَةِ مِنَ الْكَبَائِرِ. Le soupçon à l'endroit d'un musulman qui paraît normal fait partie des grands péchés. Le soupçon à l'endroit de quelqu'un qui, dans son apparence, paraît quelqu'un de bien, c'est un grand péché en lui-même. Chers frères et sœurs, il y a plusieurs litiges familiaux qui sont générés par le soupçon. Il y a énormément d'animosité dans la même famille, dont la base était un mauvais soupçon de départ, qui ne se base sur aucune preuve tangible. Et voilà pourquoi l'islam met en garde les musulmans contre cette attitude et ce comportement. Et il en est de même pour les relations conjugales. Combien de personnes commencent à avoir un soupçon concernant son conjoint, un mari qui soupçonne quelque chose de son épouse, ou l'inverse. Et ce soupçon, il commence à revenir dans son esprit, à s'implanter dans son esprit, et Shaitan prépare un terrain propice à cela. Il l'enracine dans l'esprit de la personne, et ceci va pousser après à l'espionnage. Et combien de personnes viennent de dire, j'ai espionné ma femme et j'ai découvert. J'ai espionné mon mari et j'ai découvert. Tout ça a commencé par un petit soupçon. Et à partir de là, même la vie n'a plus de goût dans le couple. Où est-ce qu'il est parti? Où est-ce qu'il est revenu? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il regarde dans ceci? Qu'est-ce qu'il regarde dans cela? Et on va, bien entendu, tomber dans un autre interdit qui va être cité par le même verset de Sourate Al-Hujurat. Il s'agit « Wa la tajassasu » et ne vous espionnez pas les uns les autres. Et énormément de conflits conjugaux éclatent à cause d'un petit soupçon qui a commencé au départ. Et il y a des personnes qui ont des maladies psychiques,
qui ont des complexes psychiques, qui ont grandi avec eux, ou qui ont été générés par une épreuve par laquelle ils sont passés, au point qu'ils commencent à soupçonner tout le monde et avoir le doute sur tout le monde. Et à partir de là, ils prennent leur distance de tout le monde. Et ils ne sont en aucun cas sociables. Tu le trouves tout seul. Il vit d'une manière solitaire. Il ne sourit pas, il ne parle pas aux autres, il n'a pas d'amis, il est méfiant de tout le monde. Alors qu'à la base, c'est l'inverse qui doit se passer. Les musulmans sont tes frères. Par rapport aux apparences qu'ils ont, leurs croyances, leurs pratiques, ils sont tes frères. Et lorsqu'apparaît d'eux un mal, j'essaie de l'interpréter en bien. Parce qu'ils ne sont pas des anges. Personne ne peut prétendre qu'il est exempt de péché. Personne ne peut prétendre qu'il ne commet pas d'erreur. Personne ne peut prétendre qu'il n'a pas de défaut. Nous avons tous des défauts, nous commettons tous des péchés. Donc si tu attends que ton interlocuteur soit exempt des péchés, tu ne trouveras aucun interlocuteur dans ta vie. À moins si tu trouves un prophète. Et on n'a pas la chance de côtoyer un prophète dans notre vie en tout cas. Peut-être dans l'au-delà, peut-être. Mais en tout cas maintenant, attendre à ce que tu côtoies un prophète, on n'a pas cette possibilité. Et même ceux qui ont côtoyé les prophètes, ils les ont soupçonnés. C'est ainsi que tous ceux à qui est venu un messager, ils l'ont accusé d'être sahir, d'être un sorcier ou un magicien, un sorcier, ou être quelqu'un qui n'est pas en pleine possession de ses capacités mentales. Même ceux qui les ont fréquentés. Alors imaginez si on reste sur cette base-là. Alors qu'Allah Azza wa Jal appelle à l'unité entre les musulmans, Allah Azza wa Jal appelle aux échanges entre les musulmans, à consolider leurs relations. Et voici que certaines personnes essayent justement de fragiliser ces relations-là ou de remettre en cause ces relations-là. Il y a bien entendu quelques moyens qui permettent justement d'éviter le soupçon à l'endroit des croyants qu'on va citer dans la deuxième khutbah. Chers frères, quelques pistes qui nous permettent justement d'éviter la mauvaise conjecture, d'éviter les soupçons. La première des pistes, d'abord, c'est la quête du savoir religieux. Parce que c'est le savoir religieux qui te permet de discerner entre le bien et le mal, entre la guidance et l'égarement. C'est le savoir religieux qui te permet de dire, attention, ceci c'est un péché si tu continues dans cette voie. Ceci c'est un bienfait, récompensé par Allah, si tu continues dans cette voie. Mais lorsque tu n'as pas ce savoir-là, qu'est-ce qui va t'arriver? Soit tu vas te baser uniquement sur ta réflexion, qui peut être défaillante. Soit tu vas te vendre à quelqu'un qui va réfléchir à ta place. Tu vas réfléchir par procuration. Et beaucoup de jeunes, justement, tombent dans cet égarement-là. Ils réfléchissent par procuration. C'est comme s'il n'a pas de cerveau. Donc, il s'endoctrine lui-même et il suit un gourou, Saoula, qui va l'orienter vers ce qui va yani risquer sa perdition en termes de sa religiosité. Par contre, lorsque tu acquiers le savoir religieux, c'est toi qui peux discerner qui sont les gens du bien, qui sont les gens de mal. Mais ceci nécessite du temps, ceci nécessite des compétences. Et en attendant d'arriver à ces compétences, bien entendu, il faut toujours avoir une bonne pensée de tout le monde. La deuxième chose, c'est de ne pas insister lorsqu'on a une inspiration mauvaise ou un petit soupçon qui tombe dans le sol de notre esprit. Ne pas le laisser s'enraciner, ne pas laisser Shaitan enraciner cette semence dans notre esprit. À peine tu as un petit soupçon, tu le rejettes. Tu accomplis une mujahada avec toi-même. Tu te forces d'écarter ceci de ton esprit. Et tu te comportes de la meilleure des façons avec cette personne envers qui tu as commencé à avoir un soupçon pour ne pas suivre les pas de Shaitan et tomber vers ce qui risque ta religiosité ou qui risque ta bienfaisance. Allah tabaraka wa ta'ala nous apprend ceci de l'Ansar qui ont accueilli le Muhajirin. Il dit, et ceux qui sont venus après eux en disant, Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Se contentent pas de demander pardon pour eux-mêmes, mais même pour ceux qui les ont précédés dans la foi. Et ne met dans nos cœurs aucune rancune pour ceux qui ont cru. Ne met dans nos cœurs aucune rancune pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Le musulman doit avoir un cœur sain envers tous les musulmans et ne penser que du bien des musulmans,
sauf lorsqu'il y a une preuve qui apparaît d'elle-même. C'est pas moi qui vais aller la chercher. Une preuve qui apparaît et qui montre l'inverse de ce que j'ai pensé. Ou sauf si la personne commet le mal et elle le montre, elle ne le cache pas, elle le montre publiquement. Donc là, tu ne peux avoir une autre interprétation sur ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, ça nous ramène à la troisième moyen. Le troisième moyen, c'est d'essayer de trouver une interprétation à tout ce qui peut semer le doute dans ton esprit concernant ton frère. Il t'a dit une parole. Cette parole suppose plusieurs significations, une grande batterie de significations. Je prends la meilleure signification et non pas la pire. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, dit à ce propos, il n'appartient pas à un musulman lorsqu'il entend de son frère une parole qui, a priori, est mauvaise, de la prendre en compte alors qu'il peut trouver une sortie favorable en l'interprétant d'une manière bénéfique. Dès que tu trouves un moyen de l'interpréter dans le bon sens, donc tu ne peux emprunter que ce moyen et ne pas la prendre avec la mauvaise interprétation. Et l'imam al-Bayhaqi rapporte sur Ja'far ibn Muhammad rahimahullah qu'il a dit: s'il t'est parvenu de ton frère ce que tu n'aimes pas, trouve-lui une excuse jusqu'à 70 excuses. Essaye de lui trouver, première excuse, deuxième, troisième, jusqu'à 70 excuses. Si après tu ne trouves aucune excuse, dis-toi, il se peut qu'il ait une excuse que je ne connais pas. Autrement dit, tu as cherché 70 excuses, bonne excuse, tu deviens quelque part son avocat, un très bon avocat. Et non pas l'avocat, tu ne fais pas l'avocat du diable. Tu deviens un bon avocat pour lui. Il voulait dire ceci, ou il a fait ceci, ou peut-être il était contrarié, ou peut-être il avait une contrainte, ou peut-être ceci, ou peut-être cela, ou peut-être il n'était pas en pleine capacité, ou peut-être il était en colère, peut-être ceci. Supposons malgré tout ça, tu ne trouves rien, tu dis, peut-être qu'il a une raison que je ne connais pas. Mais en tout cas, je ne laisse pas cette semence de mal s'enraciner dans mon cœur. La dernière chose, c'est le fait de ne pas fréquenter les personnes justement qui te poussent à soupçonner les autres, ou qui soupçonnent tout le temps les autres. Parce qu'on dit « as-sahib sahib », le compagnon, c'est quelqu'un qui attire vers lui. Donc forcément, il va t'imprégner par ses attitudes, il va t'imprégner par sa mauvaise moralité. Et c'est dans ce sens que Abu Hatim al-Busti, il dit « quelqu'un qui jouit d'une intelligence, c'est quelqu'un qui évite les gens du doute ». Parce qu'il risque de devenir parmi les gens du doute. Il évite les gens qui sèment le doute sur les autres. Parce qu'arriverait un jour où le doute sera semé contre lui-même. Il dit ensuite, parce que le bon compagnonnement, ou bien le bon compagnonnage des bonnes personnes ne pousse vers le bien ou génère le bien. Et le mauvais compagnonnage finit par générer du mal. Donc voici ce qu'on peut un peu dire sur cette interdiction divine. Nous devons justement nous préserver contre la mauvaise conjecture, contre les mauvaises opinions, les mauvaises pensées à l'endroit de ceux qui nous entourent, pour éviter de tomber vers ce qu'on risque de regretter amèrement a posteriori.